Bien, TP numéro 2, nous venons de réaliser la bride circulaire d'entrée du raccord d'aspiration. Nous allons maintenant nous intéresser à la bride carrée, repère 2. Donc la bride carrée, c'est la bride qui se situe dans le bas du collecteur, hein, du raccord d'aspiration. On va s'intéresser tout de suite à cette pièce. C'est une pièce en épaisseur 4. On va aller chercher le dessin de définition. Voilà, donc il s'agit de ce petit dessin de définition. Donc c'est très simple, on a donc deux profils carrés avec des répétitions linéaires de tout. D'accord? Donc c'est parti, on va lancer SolidWorks, créer un nouveau fichier, pièce. On va donc, comme tout à l'heure dans le précédent TP, aller sur plan frontal, esquisse. Ensuite, on va tracer un rectangle par son centre. Attention, si ce n'est pas le bon icône, ici, on va sur la petite flèche et on prend bien rectangle par son centre. On clique sur l'origine, on écarte vers le haut, vers le bas, par où vous voulez. En tout cas, on forme un rectangle et on en forme un deuxième. Voilà. Ensuite, on va aller chercher les côtes. Donc, on voit que les côtes, ce sont des côtes intérieures, 146,5 de côté pour le raccord intérieur. Donc là, il manque la côte extérieure. On va essayer de la trouver. Donc 146,5 pour l'intérieur. Donc je vais sur la fonction cotation. Verticalement, 146,5. Et horizontalement, 146,5. Évidemment, l'autre rectangle, je vais quitter la fonction cotation. L'autre rectangle est plus grand. D'accord? Voilà. J'éloigne mes côtes pour que ça soit bien lisible. Donc on prendra une cote qui n'apparaît pas ici, on prendra une cote de 210 en extérieur. Alors c'est parti, on va coter 210 ici et verticalement 210. Voilà, maintenant on va réaliser les répétitions linéaires. Donc on va pouvoir positionner par exemple le trou qui se situe en haut à droite, donc qui est à 95 verticalement et à 95 horizontalement de l'origine. Et ce sont des trous de 14. Allons-y. Donc on va donc faire un cercle que l'on va positionner ici. Cotation, on va coter horizontalement ce cercle. Donc 96,5, c'est pas ça, c'est combien? 95, pardon. 95, et verticalement, on va le coter. Cotation. Voilà. Ok, parfait. Alors normalement ce point il devrait même être placé sur le bah, il est sur la diagonale, la logique, hein. On va simplement le coter pour que tout soit contraint. Donc c'est du 14. Voilà. Parfait. Maintenant on va faire une répétition linéaire. Tout à l'heure on a vu une répétition circulaire. La linéaire. Donc là on sait que on va avoir un nombre d'occurrences suivant les axes X, Y. 2, 3. Donc là, on va choisir pour l'axe qui est là, l'axe X, on va dire que c'est ça. Voilà. Et on va lui dire que la répétition, on en veut 3 au total. Et la répétition, la distance, ça va être 90,5. OK. Pour la deuxième, l'axe Y, alors on voit que là, la répétition, il faudra qu'on l'inverse. Pour l'axe Y, on va prendre cette ligne-là. Et on va répéter également 3 fois. Et la répétition est de 95 également. Voilà. Et de la même manière, on va inverser. Voilà. Donc normalement, on est bon. Si je fais entité à répéter, donc ça c'est tout bon. Occurrence à omettre. Alors, on va voir les occurrences.
Invoque cette occurrence-là, on va le mettre. On va déjà valider, voir ce que ça donne. Alors là, il y a un truc bizarre. Oui, c'était normal. Je me suis trompé. J'ai sélectionné les lignes en même temps. On recommence. Donc, répétition. L'axe, on choisit cet axe-là. L'entité à répéter, c'est pas celle-ci. Attention à ça. Donc là, la ligne, il me prend l'axe X. On va laisser comme ça. Je pense que par défaut, il le prend. Ici, on va prendre 95. Même chose pour l'axe Y, 95. Et on va faire. Ah, pardon. Ici, 3 et 95. Ok, et l'entité à répéter, c'est bien ça qu'il faut répéter. Alors voilà, c'est là qu'on va voir les répétitions sont dans le bon sens. Donc là, on va cliquer sur la flèche pour inverser et on clique sur la flèche pour inverser. Les occurrences à omettre, on va les sélectionner. Donc si je décale ici, occurrence à omettre, celle-ci. Voilà, la 2-2. Donc j'enlève l'occurrence qui est là. J'aurais pu la laisser, ça n'aurait pas été très gênant, normalement. Voilà, donc là j'ai fait ma répétition, je ferme mon esquisse et je vais donc faire une extrusion de mon modèle. Une extrusion à 4 mm comme pour la bride d'entrée. Voilà, donc là je retrouve bien ma bride carrée. Donc là comme tout à l'heure, je vais faire enregistrer. Je vais me positionner dans le même dossier que tout à l'heure, raccord d'aspiration 2019 que vous avez créé précédemment, dans lequel vous devriez retrouver votre bride circulaire d'entrée. Et là, on va l'appeler bride carrée. On enregistre. Voilà, terminé pour cette deuxième vidéo.